Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, où que vous soyez, vous nous rejoignez dans cette basilique et nous célébrons encore le Sauveur, le Seigneur, dans ses premières manifestations. Dans sa naissance, dans son épiphanie, avec la visite des mages, et demain, nous clôturerons ce temps de Noël dans la fête du baptême du Seigneur. Demandons aujourd'hui à la Vierge Marie que nos cœurs soient disponibles comme le sien pour accueillir cette lumière des nations, pour accueillir son Fils, lumière pour tous les peuples. Entrons avec elle dans la prière des psaumes. Psaume 91. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, et combien profondes tes pensées. Tel un aigle qui éveille sa niche, Dieu te porte sur ses ailes. Sur la
Psaume 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la Vierge Marie, tu as manifesté au monde ton Fils unique. Gloire d'Israël et lumière des peuples. Accorde-nous de suivre les exemples et les exhortations de la Mère du Christ pour fortifier notre foi en lui et le reconnaître comme seul médiateur et sauveur. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons, ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Le Fils engendré par Dieu les protège, et le mauvais ne peut pas les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais.
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parole du Seigneur. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithares. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples. Et il séjourna avec eux, et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Aenon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même, vous pouvez témoigner que j'ai dit « Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et que moi, je diminue. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, entendons vraiment pour nous aujourd'hui les paroles de Jean le Baptiste, qui se situe lui-même comme l'ami de l'époux. Chacun de nous,
est amie de l'époux, qu'est le Christ. Que fait l'ami de l'époux? Qu'avons-nous à faire? Il se tient là, il entend la voix de l'époux. Nous tenir là. Quelle belle définition de ce que peut être notre vie chrétienne, notre vie de disciple, notre vie de prière. Nous tenir là, auprès de l'époux. Nous tenir présents en sa présence. Nous tenir dans le silence, un silence profond, un silence qui désire être là, un silence qui veut être tout entier. Écoute, puisque Jean nous dit, il entend la voix de l'époux. Ce silence qui est le nôtre dans la prière est un silence qui veut se faire écoute attentive, qui veut se laisser fasciner par cette voix qui veut tout apprendre de l'époux. Oui, il nous faut être cet ami de l'époux qui dit cette amitié par le sens de l'écoute, du silence, de la prière. Et il est toujours joyeux. Il est toujours joyeux parce qu'il écoute. Parce qu'il sait que son origine n'est pas en lui-même, que le centre de sa vie n'est pas lui-même, que le centre de sa vie n'est pas ce qu'il veut faire par lui-même ou pour lui-même. Il sait que le centre de sa vie est dans l'écoute d'un autre, de cet époux qui parle, qui fait entendre sa voix comme le tonnerre des eaux, aurait dit le psaume, sa voix dans la brise légère, dans un murmure de fin silence, qui fait entendre sa voix de mille manières. Être là, entendre la voix, se décentrer de soi-même pour être vraiment ami, tel est le lieu de la vraie joie. Tel est le lieu qui fait rester joyeux au milieu de toutes les discussions, de toutes les difficultés. Cette joie, elle est parfaite. Elle participe à la joie de Jésus, puisque Jésus dira bien plus tard dans l'évangile de Jean, au moment presque de son départ, à quelques heures de son départ, « Je vous ai donné ma joie, elle est en vous et elle est parfaite. » Et elle participe, la joie de l'ami de l'époux, à cette joie de l'époux qui aime à faire la volonté du Père à chaque minute de sa vie. La joie de l'ami de l'époux est parfaite car elle vient de la voix de l'époux, du désir de l'époux de faire la volonté du Père. Et c'est ainsi que l'ami de l'époux devient un avec l'époux. Lui, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Tel est le but de cette joie, se voir diminuer pour que l'époux prenne toute la place en nous. C'est ce que dira ailleurs saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors le Christ est né, le Christ se révèle lumière des nations. Laissons-le prendre la place en nous. Donnons-lui tout ce que nous sommes. Et entendons en écho à cela un grand ami de l'époux, Benoît XVI, qui aimait à dire aux jeunes, donnez-vous au Christ, n'ayez pas peur. Il n'enlève rien, il donne tout. Il n'enlève rien, il donne tout. Alors mettons-nous dans le silence,
à l'écoute de la voix de l'époux pour grandir dans la joie, tout en diminuant pour que lui grandisse, car il est notre joie. Seigneur Jésus, qui nous a fait connaître l'amour du Père, donne-nous de nous aimer les uns les autres afin que le monde croie. Fils du Dieu vivant, exauce-nous. Fils du Dieu vivant, exauce-nous. Tu t'es montré le Seigneur de la vie, fais-nous vivre de ta plénitude. Fils du Dieu vivant, exauce-nous. Quand la mort accomplit son œuvre en nous, que ta résurrection soit aussi manifestée. Fils du Dieu vivant, exauce-nous. Tu t'es révélé sagesse de Dieu. Fais-nous voir toutes choses à la lumière de ta vérité. Fils du Dieu vivant, exauce-nous. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que dans ton Fils unique, nous devenions pour toi de nouvelles créatures. Que ta grâce nous modèle à l'image du Christ, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Consacre, Seigneur, par la puissance de l'Esprit Saint, les dons que nous te présentons avec joie en faisant mémoire de la Vierge Marie. Qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, né de sa chair, lui qui a manifesté ta gloire, et livrer sa vie pour le salut des hommes, et qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Quand ton humble servante, la Vierge Marie, portait dans ses bras Jésus, son enfant, tu as attiré à tous les peuples à la foi de l'Évangile. Prémices de l'Église venue d'Israël, les bergers de Bethléem, enveloppés de ta clarté et avertis par la voix des anges, reconnaissent dans cet enfant le Christ Sauveur. Premier représentant de l'Église issu des nations, les mages venus d'Orient, poussés par ta grâce et guidés par l'étoile, entrent dans une pauvre maison. Et dans l'enfant qu'ils trouvent avec Marie sa mère, ils adorent leur Dieu, acclament leur roi et reconnaissent leur Rédempteur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur rythme de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
toutes ces mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps ou au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et particulièrement ce matin pour Jean-Marie Martin. Souviens-toi de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Invité au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Cana de Galilée, fut accompli le premier des signes de Jésus. Là, il manifesta sa gloire. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il l'a fait sécher la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, nous fasse mieux connaître ta miséricorde, pour que nous trouvions un gage de notre salut dans la naissance de ton Fils, que la Vierge, sa mère, a présenté à l'adoration des mages, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne et belle journée à chacun et à chacune d'entre vous.